I do it so good. Look at the way that I do what I should. Look at the way that I got you amazed. You should see the look on your face. Look at the way that I bang with the bass. Look at the way that I'm running the place. Look at the way that I'm keeping the pace. You see the smoke, well look at the flames. I see the look in your eyes. It be the look of surprise. That's just a part of the game. You gotta look for the prize. Look at the way that we ain't gonna fall. Look at the way that we all gonna ride. Et de retour pour le premier match, directement en phase de draft, Akroma contre PCS, mon cher Zéro. PCS avec double changement sur la botlane, hein, Senpai toujours absent pour le moment, il s'occupe de lui, on prend soin de lui bien sûr, et Kiyu qui va venir remplacer Akutsune au poste de support. Il y a eu des changements relativement récemment chez Akroma aussi, on le rappelle, hein, Viking et Abagnale qui sont arrivés respectivement au poste de jungle et de support. Okay. Et les bans qui sont en train de se terminer, Zéro. Ouais, et la petite recherche sur LoL Pro de Q n'a rien donné de concluant. Il y a un joueur français dont le pseudo initial est Isokei, qui est du coup support Diamant 1, mais je ne sais pas si... Ah si, il est dans Project Conqueror. Ok, donc c'est lui. Diamant 1, 50 LP actuellement. Il a tapé le Master au début de saison. Voilà à peu près... on peut penser que c'est lui, mais voilà. Il y a grande chance de se filer chez PCS, a priori. First pick Varus en légende, bien sûr, pour Akroma. Jamais un mauvais choix. Senna est disponible. Et aujourd'hui, en tout cas, sur le 14.3, pour moi, ça se joue entre Varus et Senna. En termes de... Le truc, c'est que Varus a la prio sur Senna, dans le sens où Varus gagne la botlane et le poke et la longue distance peut tout de même bien mettre. Bon, des seules infos que j'ai pu aller voir sur le pro et sur le PGG, le champion le plus joué par Kiyu au rôle de support, c'est Senna. Okay. Donc on a la possibilité de le jouer aux deux rôles, sinon le deuxième champion qu'il a un peu joué en solo queue, c'est Nautilus, et après avoir un petit Senna Nautilus, c'est tout à fait cohérent également. Wukong encore, hein. Ouais. Là, il nous avait de la sortie en début de semaine. C'est vrai, on privilégie vraiment le confort. Alors après, tu vois, quand je vois Senna Wukong, ça me rappelle la grande époque du fasting Wukong sur la botlane, mais je pense pas que ce soit le cas ici. Est-ce qu'un blind way est justifié contre Senna? Je peux comprendre. Allez, hein. Okay. Le champion est fort actuellement. T'as déjà les deux carries sont solides sur les appuis. Quand t'as Varus Way, t'es déjà très bien de ce côté-là. Petite rel ici positionnée en flex qui met très très bien. Je crois que pour l'instant c'est Abagnale qui nous l'avait joué. Et Viking était parti sur Vi et Maokai, ouais, si je me trompe pas. Donc pour l'instant on garde cet éventuel flex. Mais rien d'incohérent du tout. Alors, est-ce qu'on répond avec un flex côté PCS pour garder un petit peu le doute sur cette Senna? Est-ce qu'on répond au pick mid? Voilà. Ok, Senna Nautilus, Wukong Jungle, c'est bel et bien validé. Bon, juste en ayant regardé le PGG une demi-seconde, je pouvais m'attendre à cette éventualité. Donc, on doit être prêt tout de même côté Akroma. Hein, si on veut vraiment avoir une réponse dominante au niveau de la botlane, on peut toujours partir sur une Renata, qui serait une très bonne réponse à Wukong et Nautilus. Ouais. Après, le raid dans Nautilus, habituellement, tu préfères être côté Nautilus, mais si tu as envie de garder la raid de ce côté, tu peux également. Tu peux canter le sondage avec Nautilus, mais c'est pas non plus free. Moi, j'aime bien raid quand même. Hein. Ouais, après, les deux, de toute façon, on va voir les outils d'engage et peuvent sortir quelque chose. Après, la seule raison pour laquelle je verrais vraiment cette rel en support, c'est pour avoir un gros counter-pick jungle. Et les gros counter-pick de Wukong, c'est genre des junglers AP, donc tu peux regarder au bout du niveau de brand. Mais est-ce que t'as envie d'avoir un brand Huey? Est-ce que c'est le type de Viking? Pas sûr. Voilà. Donc, j'aurais tendance à attendre un bon gros counter-pick support qui pourrait nous être sorti du côté d'Abagnale. Oh! Ah ouais, Biobio? Ah ouais, Monstrob? C'est plus pour Monstrob, je pense. Ouais, je pense que c'est plus pour Monstrob également. Comme ça, on donne le counterpick à Biobio. Et pour aller chercher Huey, en vrai. C'est pas mal. Moi, je pose juste ça là. Mais Yasuo est mieux avec Wukong.
Voilà, si tu veux prendre Raphaël Razaki, prends celui qui peut follow-up sur les bumps. Ouais. Ça me met très bien. Avec Wukong, avec Nautilus, pourquoi pas, pourquoi pas. Et Théoloris qui va devoir blind pick, donc Biobio qui va avoir le counter pick ici. Mm-hmm. Et la Poppy a été retirée. Hein. La Poppy a été retirée. On sait que Théoloris est très très à l'aise sur le champion. Ouais, ouais. Pour l'instant, on nous montrait Olaf, mais il reste encore une éventuelle Akali qu'on a déjà vue. Après, reste à savoir si Biobio aurait pu piloter. Mais on va du coup préférer prendre un Aatrox. Il y a beaucoup de mêlées en face. C'est une bonne game d'Aatrox pour l'instant, à n'en pas douter. Et la fameuse Renata nous est pour l'instant montrée. Maintenant, la Renata. Yasuo. Il y a le wall de Yasuo qui, s'il y a un seul pixel de l'ulti Renata qui touche le wall, tout l'ulti Renata disparaît. Ouais, ça, c'est un peu abusé quand même. Comme la vague de Nami. Ouais, ouais. Comme beaucoup de skillshots. Et du coup, on met la rel support ouais. Et on pique le Xin dans la jungle. Alors, est-ce que, quitte à counterpick la jungle, Trundle, ça aurait pas été mieux là? C'est le vrai banger. L'astro banger, je vais te le dire et tu vas me dire oui, c'était ce pick jungle. Est-ce que t'arrives à voir venir un astro pick Pour Viking. Ouais, ouais, pour Viking. À la place du Xin. Il y a un pick qui était astro broken ici. Moi j'ai pensé à Trundle. Il joue pas Kindred. Il joue pas Kindred, c'était Udyr. Udyr jungle. Oh ouais. Je sais pas ce que vaut son clear en ce moment Udyr. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Mais le point and click sur Yasuo et t'as les fameux dégâts magiques pour aller affronter un Wukong et avec ta zone autour, Wukong peut jamais passer invisible. Les bumps, tu peux vraiment n'avoir rien à faire avec ton double E. Le pick de Udyr jungle était astro broken. La régie a call Malphite. Ouais, il est ban. Du coup, la régie, elle regarde pas tout à fait la draft, mais c'est pas grave. Je vous aime bien quand même. Ouais, c'est un bon call, ouais, effectivement. Bah, en vrai, le pick Malphite aurait été. Genre, pour Théoloris, ça aurait été insane. Bah, quand tu voyais déjà. Entre Senna, Wukong, ouais. Yasuo, ouais. Ah ouais. Et du coup, ça va être un Yasuo au top et pas un Yasuo au mid. Dans le match-up direct face à Aatrox, on sait que le grand frère s'en sort bien. Maintenant, le petit a tout de même suffisamment de dash et s'il y a toujours une wave, normalement. C'est qui le grand frère? Bah, le grand frère, c'est Yone. Je savais pas. Yasuo, c'est petit. Ok. C'est petit qui a tué le grand. Ah ouais? Ouais. Est-ce non, je savais pas ça. Alors, la régie qui nous dit que Zoé est la cousine d'Aurelion Sol. Info régie, en termes de lore. Mais je ne savais pas. Je viens d'annuler 14 blagues là. Ok, donc c'était un mensonge. C'est même pas vrai. Tu vois, enfin, c'est trop grave la régie. À tout moment, tu mets ton micro pour que le chat t'entende également. Mais voilà. Et Polo, est-ce que c'est vrai que Tamkench est ton... Ah non. Non, c'était plus par rapport à l'expression faciale, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on se défend un peu je parfois. Te laisse. Ah ouais. Ok. Bon, on a les deux drafts qui sont terminés. On a décidé de flex cette rel pour Akroma afin d'aller chercher le Xin dans le Wukong. On fait le choix du confort côté PCS, choix qui est tout à fait compréhensible puisqu'on le rappelle, on joue avec une botlane qui a très très peu de temps de practice. C'est la première game en Div 2 pour Q, le support de ce soir et de demain pour PCS. On ne sait pas encore s'il va rester chez PCS, s'il y aura d'autres changements, si Akutune va revenir, on n'a pas encore d'infos là-dessus. Mais sur le papier, bon, Akroma est quand même dans de bonnes conditions. Attention aux gros bombo combo qui peut être mis en place par PCS. Là, vraiment, côté PCS, on a pris un peu une compo TikTok, tu vois. C'est, si t'arrives ouais, c'est à ça. Avoir ulti Nautilus et un Wukong qui va avec la boule d'Orianna into ulti Yasuo sur tout le monde, ah, ça peut être très, très, très stylé. Après, ça peut également faire immense flop et tu mets tout un combo sur un Xin qui est sous ulti ou alors un Wei qui trouve une belle stopwatch, enfin un bon Zhonya et c'est... L'avantage des compos gros teamfight, gros air, c'est que bien évidemment, quand ça passe, t'as l'impression que les adversaires peuvent rien faire. Et la grosse faiblesse, c'est que bah, quand t'as pas ton air, tu sers un peu à rien. Et il faut du coup être très précis là-dessus. Mais au moins, ça donne des objectifs de teamfight très simples à suivre. Alors, j'ai vu le pseudo dans le chat. Ouais. C'est vrai que la draft PCS, ça ressemble à une ancienne Ekarim centrique. Tu remplaces Wukong par Ekarim? Tu vois, avec Orianna Senna. Ouais. Oh, ouais. Ça rappelle. Ça date, je crois que c'était 2020. Bah, du moment où Tinx, avec LDLC, était champion Yami Ai. Ouais. C'était son prime à ce moment-là, quoi. Bon, on est 3 pour prendre l'XP de la Ward. Du coup, on aura le niveau 2 dès la première wave pour Zangseed. C'est bien fait. Ouais, bon niveau 1, bien préparé pour Akroma.
RAS, starter top side pour Viking. Bot side pour Metroflox qui décide de passer vers son Yasuo. Jubio qui nous sort son Yasuo. Hein. Ouais, un petit Yasuo. Voir exactement comment ça va réussir à fonctionner face à Aatrox. Parce que le wall n'a qu'une très maigre utilité. Reste à voir à quel point il peut réussir, à quel point il maîtrise le champion, à quel point il peut réussir à trouver des petites dingueries avec. Mais c'est bien évidemment une composante très importante de la draft PCS. Si le Yasuo est derrière, all-in ou pas, il n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir terminer le travail. Donc il va falloir quelques passages de Metroflox pour le mettre dans les bonnes conditions. Il y a un de nos co-casters qui doit être tout nu de voir le Yasuo de Biu-Biu là. Clairement. Clairement. Pensez affectueuse à Fingin. Là, je pense qu'il a mis sa tenue d'ultra et tout. Hein. On passe niveau 2 pour Michigou et Abagnale. Et Shoto qui ne peuvent pas vraiment contester contre un Varus. Ouais, le début de la lane est forcément compliqué de ce côté-là. On sent aussi qu'il n'a pas envie de se faire gank niveau 3, mais attention, ça pourrait venir de l'autre côté. Maintenant, il va juste jouer du côté de son jungler, du côté de sa vision. Mais Monstrobe a bien démarré. On voit qu'on a également un très bon push qui a été trouvé par le Yasuo. Et Viking va se rendre dans la jungle de son adversaire, une jungle vide malheureusement. Ouais, ils peuvent pas non plus dive Senna Nautilus, qui sont full life. Est-ce qu'ils peuvent pas? On a juste l'info. Ah, oh, ça me paraît dur. Hein. Ouais, non, c'est vraiment la du full life. Senna en plus. Après, du coup, Michigou a voulu tenter des trades un peu plus agressifs, mais on n'a pas assez attaqué la barre d'HP pour faire quoi que ce soit. Ah, du coup, on doit se douter. Enfin, c'est même pas qu'on se doute. On sait que Metroflox est sur son topside. Avec un Biu-Biu qui est donc très avancé en conséquence. Une wave qui revient vers lui. On est sur les meilleures situations pour un Yasuo. Il y a même un angle de gank. Alors après, c'est Aatrox. Hein. C'est pas non plus gratuit à punir. Le champion a un peu de mobilité. Et mid alors. Monstrobe contre Zangseed, les deux anciens joueurs du MNT de l'Open Tour. Pour l'instant, les trades ont été assez agressifs des deux côtés, mais... On a encore des potions de part et d'autre. On a un Monstrobe qui va faire son bac avec sa TP. Et bon, Viking de nouveau aux alentours de la bot lane. On a vraiment envie de mettre Michigou dans les bonnes conditions. Et là, par contre, il va y avoir un angle de gank. On parle pas de tower dive. On parle juste de gank sur Shoto et Q. Très bon flashing de la part de Abagnale. Q en difficulté et Q va y laisser la vie. Premier sang pour Michigou. Ouais. Bonne intervention de Viking sur la situation de Bounce Back. Et malheureusement, Metroflox n'était pas au rendez-vous pour cover. First Blood pour Varus, tout va bien pour Akuma. Qu'est-ce qu'on fait de cette wave? On décide de la crash pour avoir un bon petit reset. Et Abagnale qui pourra avoir un roam éventuellement. Est-ce qu'ils seront disponibles pour aller jouer les Void Grubs avec son jungle, cette rel qui va avoir du temps libre? On va d'abord revoir le gank. Très bien joué de la part de Abagnale. Shoto qui réussit à s'en sortir parce que lui a une purge, ce qui n'est pas le cas de Q. S'il avait flash out, la flèche l'aurait tout de même touché. On était condamné. Non, elle a pas l'air de se diriger vers le top side, cette rel pour l'instant. Au niveau de la top lane, on a les bots en deux pour Biu-Biu. Je serais tout de même pas étonné de voir beaucoup de passages sur la top lane pour les deux. Si, elle y va. Elle y va. Cette rel, en tout cas, elle passe via la mid lane. Les bots grubs sont commencés. Le mid support de PCS qui décale aussi. Un peu rapide, Viking. Un peu rapide là-dedans. Metroflox va déjà récupérer le premier. Donc, masque prélevé. Niveau 5. T'as pas fait la vanne habituelle avec les impôts et tout ça? C'est vrai qu'elle était plaçable. Et on essaie de se renouveler un peu. Je vois ça. Bon, un Void Grub de chaque côté. Les deux supports qui sont toujours aux alentours. Et le dernier va être récupéré par PCS. Je pense que le niveau 6 de Monstrobe... motive peut-être un peu plus les volontés agressives de PCS. Du coup, 2-1. On verra bien qui récupérera le spawn des mythes d'ici quelques minutes. Ouais, Viking s'est peut-être un poil précipité. Bon, on va voir comment on avance davantage. Sur la botlane, on a toujours un très bon contrôle. Hein, Michigou qui a un énorme freeze, qui a déjà une belle avance en termes de CS. Et Shoto qui commence un peu à se faire distancer. Attention, parce que Abagnale est là, il n'y a plus de route.
Et on va pas réussir à crash, hein, vu que la wave suivante est déjà là. Pas encore, non. Pas encore. Et regardez Viking, hein, avec Songzin qui est en train d'arriver. Il y a une pink dans le tribush. Où c'est compliqué. Et la Senna qui a fait premier item, Tabi Ninja. Elle sait qu'elle est dans le dur. Q dans le bush. Ne pourra pas se faire avoir pendant que Viking est vu. Petite ward de poser sur le top side. Biu Biu qui a utilisé son ultime. On échange les ultimes pour l'instant. On temporise pour Biu Biu. Mais on temporise également pour Théoloris. Hein. Petit rappel tout de même, l'ulti Yasuo donne de l'armor pen pendant quelques secondes après avoir consommé l'ultime. Ce qui permet à Yasuo de ne pas avoir besoin de faire un Dominique par exemple. C'est bien vrai. Et Viking en mission Drake qui s'appuie sur cette botlane dominante. Il a la prio mid aussi avec Zangsid qui peut le over tranquillement. Ishigo et Abagnale en couverture et ce premier dragon va tomber dans la poche d'Akroma alors que Shoto est coincé sous sa tourelle. Mmh. Au moins 30 CS pour le moment. Ouais, la plaque a au moins pas été prise par Michigo. C'est vrai. Abagnale qui joue très très haut. Bon, petite perte d'aftershock. On va voir si ça coûte, mais dans tous les cas, je pense pas que la botlane PCS a envie de trade quoi que ce soit. On est vraiment en position latérale de scaling pour cette Senna. Et satisfaisant ce soir. Ouais. Ah, le champion, ouais, quand tu le joues bien, je pense qu'il doit être satisfaisant. Ouais. T'as tellement de possibilités. Ouais. Faut pas se planter dans les combos, il faut pas fat finger, mais. Mais oui. Ok, alors, bot side. Ok, l'ulti qui va être consommé, mais on a déjà récupéré la purge pour Shoto. La cible prioritaire aurait peut-être dû être ce Nautilus. Mais on récupère un petit gain ici. Alors, Metroflox qui arrive, Biu Biu qui continue de slide. Pas mal tout ça. Le flash in de la part de Biu Biu. On utilise une nouvelle fois l'ultime. Et on va offrir un kill à ce jungler. Mais Biu Biu, on a vu. Biu Biu, on voit. Le R de Yasuo qui revient plus vite que celui d'Aatrox. Ouais, largement. Et ça va être. Ça va aller de pire en pire pour cet Aatrox avec le niveau 11 et le niveau 16. Et bon gank hein, de Metroflox au passage. Il y a peut-être quelque chose à faire autour du top side là pour BCS. Ah, c'est là qu'il faut jouer de toute façon hein, pour eux. C'est complètement là qu'il faut jouer. Ouais. La Senna sera toujours utile avec son kit pour backup sa triple frontlane. Ces trois combattants là, Yasuo, Wukong, Nautilus devant. Tout ce qu'on veut. Et bon, Senna qui a peu de farm, ça veut potentiellement dire qu'elle a pas mal d'âme. Après, je pense pas qu'elle a eu le droit de s'approcher des creeps dans tous les cas. Donc, je pense qu'on a peu de farm et peu d'âme. Ouais, on a 10 âmes. Oh ouais, ouais. Une âme par minute, c'est pas. C'est dans la catégorie pas beaucoup. Ouais, bon, c'est une Senna qui farm après, mais ouais, 50 CS derrière, 40 CS là, c'est. Ouais, non, là, pour l'instant, on se porte tout de même mal. On n'a même pas eu la première upgrade à la 9ème minute de jeu. C'est. On est dans le dur. On est dans le dur pour la bot lane. Et Metroflox va avoir une repartir sur le top side. Il est 100% vu ici. Mais on va essayer de passer derrière. La position de wave est excellente pour Biu Biu. Viking est vu de l'autre côté de la carte. On va avoir dive bot contre tentative sur le Aatrox. Mais Théoloris, pour l'instant, est juste en train de contester la prise de ses Void Grubs. Et le dive bot va être très sale. Ah, ça va se payer. Faut courir. Ça va se payer, ouais. Il faut lâcher. Est-ce que c'est pas trop tard? Viking, il a son R, il a son flash. Il peut peut-être positionner quelqu'un. Il force pas le move au moment. Viking, juste, il les zone, il les raccompagne. Et ça va prendre des plates là. Ça va prendre des plates pour Michigou. Pendant que Metroflox est vu en train de prendre ses Void Grubs. Abagnale. Ok, Abagnale qui va réussir à trouver. Et au final, l'entrée dans cette jungle. Et l'erreur de PCS qui aurait dû rester très très loin et on va même pas réussir à toucher le mur pour Q. Qu'est-ce qu'ils essayent de... Pourquoi est-ce qu'ils veulent rentrer dans cette jungle? Ils le savent, ouais. Ils le savent qu'ils se font cross-map. Et ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, ça donne encore 2 kills à Viking, on a une seule assist sur Michigou, mais on est à 4 plaques, un avantage de farm colossal au niveau de la botlane PCS, au niveau de la botlane Akroma. Pourquoi Shoto et Q, avancez-vous ici? La Q encore et toujours sans flash. Vous pouvez encore flash et tenter un ancre dans un mur pour s'en sortir. Ouais. Ah, du coup, on a le premier item qui a déjà été récupéré par Michigo. On a bientôt récupéré la première tour. Et à tout moment, cette rail peut se balader un peu partout et commencer à transposer l'avantage bot lane au niveau du mid
Attention, top 7 PCS quand même. On a un combo. Et Nautilus Tena seront toujours utiles en fight. Théoloris qui se fait découper. Qui place son spell. Viking est dans le coin. Il vient couvrir une éventuelle tentative de dive. Facile à mettre hein, quand on a les ultis de Wukong et de Yasuo, ce dive. Clairement. Mais on va pas grid. Après, faire attention. Un swing bien placé ou mal placé, ça dépend dans quel côté vous vous positionnez. Mais on pourrait calmer rapidement le Yasuo Wukong. Je t'avoue que si le Yasuo Wukong passe derrière, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans cette game. Mais bon, on a récupéré le ciel éventré pour le Wukong. On va récupérer également son premier item normalement pour Yasuo quand il va pouvoir back. La tourelle sur le point de tomber, Zangsib qui fait le déplacement pour empêcher toute tentative d'all-in. Il y a le dragon aussi qui tend les bras au joueur à Chroma. Non. Le facecheck qui va être puni immédiatement. On tente tout de même quelque chose du côté Metroflox qui a son ciel éventré. On essaie de gagner un maximum de temps, mais on va également tomber. Michigo qui récupère un nouveau kill. Petite tentative de début de dive. On n'a plus de summoner pour Shoto et on a une rel sur le côté. Magnel. Qui va lui fermer la porte totalement. Et on a l'éclair et on a le reste des spells de Huey. Et nouveau kill pour Akroma. Nouvelle mort pour la botlane. Oh, c'est dur. La première brique qui tombe, le dragon qui devrait suivre. Est-ce qu'il le fait, Viking? Est-ce qu'il estime ne pas avoir le temps? Non, il le démarre. Il le fait. PCS, est-ce qu'on peut pas essayer d'accélérer ailleurs pendant ce temps sur le top side? Éventuellement, on voit que Bubu est très avancé. Il n'y a personne pour venir l'aider. On peut pas dive. Théoloris qui va clear. On prend des plates quand même pour Bubu qui fait ce qu'il peut. Ouais, attention, il a plus de creep. Il ne peut plus faire tout et n'importe quoi et on voit les dégâts du Hatra sont tout de même convaincants. Bubu qui doit jouer très haut hein, pour récupérer un avantage. Le fait d'aller taper la tour devant cet Aatrox, c'est tout de même assez arrogant, mais il sait que s'il veut gagner la game, il doit récupérer des golds supplémentaires, il doit tenter des choses plus agressives. Et on va retour sur le top side. Il y a un fight, on a tenté d'accélérer justement, mais on répond très vite côté Akroma, Metroflox qui se fait sortir, qui n'a pas la barre de vie pour combattre. On n'a pas d'ultime, on n'a surtout pas d'ultime. Attention, Q qui se fait attraper, on a encore son flash, on a encore et toujours son flash, on va enfin l'utiliser pour Q qui va se repositionner. On n'avait plus les ultimes, on avait à la limite la shockwave pour setup un Yasuo, c'était le seul espoir sur le top side. Mais on perd la bataille également, mais au moins on ne perd pas de membres. Ouais, et on va récupérer ce héros du coup. Qui serait bienvenu pour prendre cette T1 mid. On a déjà pris la T1 bot. On peut commencer à vraiment passer, enclencher la vitesse supérieure pour Akroma. Bon, Biu, il va falloir faire de la magie là. Hein. Bah, il va falloir sortir un cosplay Pisang, tout simplement. Voilà. Il a son Kraken, il a 30 CS d'avance. Le truc, c'est qu'il va tellement se faire hard focus. Déjà là, Bagnet peut-être un peu loin. Ouais, il est mort. On a tout le monde qui prend la fuite. L'ulti Nautilus. Une ward. On n'a pas pu ulti avec le Yasuo. Allez, il faut le punir. Le kill pour Shoto. Ouais, j'allais dire que si c'est Bubu qui l'a récupéré, c'était encore mieux. Mais le fait que la Stena puisse au moins manger un peu à la cantine, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Demi-pensionnaire, la Stena. Les tarifs ont augmenté apparemment. Elle peut pas dormir à l'internat, hein, juste à face de laine, mais elle peut manger à la cantine, c'est bon. Et bon, c'est tout de même une bonne opération pour PCS. Ils ont réussi à défendre leur red buff. Oh. Est-ce qu'on pourrait pas dive Michigo là? Michigo se fait pas avoir. Ah, il respecte. Il attendait son support qui revient. Backup par Viking aussi. On trouve un bump, un CC sur Kyo qui n'a pas de flash et qui va tomber naturellement. Troisième kill pour le carry d'Akroma. Et là, on va pouvoir commencer à mettre en place le push top. On rappelle qu'il y a toujours un héros de la phase disponible dans l'inventaire de Viking. Voilà, c'est mis. Alors, qui le conduit? Est-ce que Viking, tu as le permis? Alors, premier degré. Voilà. L'héros de la phase, il se fout de ta gueule parfois. Hein. Oh mec, il faut juste cliquer gauche quand t'es en la sortie. Non, parce qu'il repositionne ta souris parfois. Bref, je sais pas, tu cliques gauche. Je te jure, aujourd'hui, il a téléporté mon curseur et il est parti à l'envers. Ouais, ok, ça c'est une belle excuse, propre. Là, regarde, Zangsil, il le prend, c'est tout droit. Ouais. Les junglers sont juste des trollers. Viking, il est parti dans le mauvais sens parce que c'est un troller du coup. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Non, van à part. Je te laisserai lui dire ça en face. Non, mais c'est. Le jeu, il est un peu mal codé, Est-ce qu'on déclenche ici? Est-ce qu'on veut vraiment? De toute façon, le play il est déjà terminé par Akroma. Ouais. Ils veulent juste s'en aller et ils vont y parvenir. On,
continue de pousser le lead. Donc pour revenir sur l'héros de la faille, toute vanne à part, le fait qu'il y ait tellement de joueurs pro, genre de tout niveau, de division 2, LFL, LEC, LCK, qui genre se plantent dans le mur en essayant de le conduire, ça montre tout de même qu'il y a un petit problème au niveau du codage. Tu vois. Probablement. C'est le fait qu'à tout niveau, c'est des problèmes, bon. Faudra attendre que Faker se plante dans le mur pour que Riot le change. Ouais, mais c'est comme l'ancien reverse ult de Cassio. Il a fallu attendre que Faker le fasse une fois et tout à coup ça a été changé. Eh oui. Le privilège du Goat. Ouais. Qui impacte, qui devient lui-même le jeu. Ah, du coup. Oh, esquipe all-in. Esquipe all-in, Jubju, il virevolte bien, il va esquiver la zone. Il a pas dodge Q3. Oula. Oula, Jubju. Oula, ça devient dur là. Elle est pas bonne l'ambiance. On va tout de même réussir à faire une petite Keyblade, mais on va juste se faire rentrer dans la terre. Aïe. Première mort du Yasuo. Et bah, malheureusement pour Biobio, ça remet en cause grandement le plan de jeu PCS. C'est triste, mais il a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur et ici, il s'est totalement fait avoir. Ouais, c'est dommage parce qu'on a besoin d'un Yasuo dominant dans cette draft pour PCS. PCS qui vont pouvoir fixer leur wave en side tranquillement et commencer à préparer ce prochain dragon. Ils en ont déjà deux. Il en est où, Viking, de son stuff? Ça va. Ouais. Les pattes. On aurait pu penser qu'il serait plus en avance hein, avec les ressources qu'il a pris. Ouais, effectivement, mais bon, il a quand même un retard de farm par rapport à Metroflox qui impacte peut-être. Et ça joue déjà la vision dans cette rivière. Méthodique, les joueurs d'Akroma. Qui veulent aller chercher cette troisième victoire. Rendez-vous est donné sur la mid lane. Qu'on ne va pas contester pour PCS. On va accepter de lâcher la prio. Et vu la position de Metroflox, j'ai l'impression que défendre ce dragon, c'est pas au programme du jour. Hein, ouais, il est sur une pink, il attend le passage de Théoloris. Faudrait réussir à prendre quelque chose en side. Théoloris se rend bien compte qu'il est en difficulté. Tout de même un petit dash in de la part de Metroflox, mais vraiment aucun dégât. Impactants seront mis sur ce Aatrox. On veut tout de même tenter, hein. C'est bien ce qu'il fait Biobio. Il faut lui mettre un maximum. Flash in de la part de Metroflox, mais Bagnal était déjà dans le move suivant et on réussit à contrecarrer les plans PCS. Et là, Théoloris va juste s'amuser sur le Yasuo, sur le Nautilus. Ça va régen. Oh, le flash de Biobio est pas mauvais. On va tout de même réussir à récupérer des kills. Stop les Biobio. Il a pas le droit au bonheur. Ah, oh, c'est tellement close, quelle tristesse. C'est Tabi Ninja Diff. Réel. Mais de tellement, tellement loin. Et là, du coup, on perd le dragon, on perd sur la compréhension en side. Il y a 2-12, c'est fini. Effectivement. Il y a des combinaisons de chiffres qui ne trompent pas. Ouais, 3 Drake, échec et mat sur toute la map. Échec et map. La soirée va être longue. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est un bon terme pour dire que tu gagnes ton play et tu défends bien le play cross-map. Ouais, en vrai. Échec et map. J'aime bien. Il y a un truc, hein. Bon, ici, le gros outplay, c'est le cerveau d'Abagnal qui se rend compte que le dragon est déjà obtenu par la vision qu'il avait posée avant et qui est déjà en counter du play de réponse. Oh, Shoto, attention, le peeling de Kyo qui est bien trouvé ici. Oh. Shoto, ça tique l'embrasement, qui va survivre extrêmement low HP. Il a dodge l'éclair. Hein. Vivant. C'était pas loin. Il a dodge l'éclair, bien joué à lui. Et il s'en sort en vie. Maintenant, ça va tout de même condamner la tourmine, normalement. Monstrop va arriver sur le côté, mais est-ce qu'il aura le droit de passer par là? Ok, avec la plante, il arrive à temps. Ok, donc on va pouvoir défendre. On avait tout de même encore pas mal du team du côté d'Akroma que... Ah, ils auraient pu jouer un peu plus agressif sur cette prise de tour. On n'avait pas encore d'ulti Nautilus. Pas d'ulti Wukong. Ouais. Une Orianna un peu en retard. 3v4. En vrai, c'est le genre de situation où tu peux tenter un petit ulti Varus et voir comment ça se passe. Je suis d'accord. On serait probablement mort. Mais je suis d'accord. Bon, tout sourit à Akroma. Ce qui se passait top a été largement gommé. Théoloris est maintenant très très bien dans son match-up, dans sa game. 4 kills pour le top laner d'Akroma. Et là, ma grande question pour Akroma, c'est est-ce qu'on joue sagement le 4ème Drake ou est-ce qu'on joue moins sagement le Baron?
cas, pour l'instant, on prend de la vision autour du baron. Et on en a un correct, hein. Le Varus est tout de même en place. Que ce soit pour le DPS ou pour turn. Ah, et le tour mid va être récupéré là-dessus. Sur la tentative de prise de vision, peut-être un peu trop longue. Côté PCS sur le top side. Alors Bagnal qui continue de jouer très très haut. La Muramana vient de proc. Ouais, ça pique, hein. La Muramana vient d'arriver. Ok. Fight. C'est ce qu'on a des gars pour faire tomber Viking qui gagne énormément de temps avec son ultime. Il y a du backup, il y a des shields. Le shutdown va être pris par le Blockpack. Elle prise à temporise à la top watch et l'ultime de Zangstil qui fait des ravages. On va re-engage du côté de Abagnale qui va s'éteindre un nouveau kill sur Ryu alors que Théoris est en train de manœuvrer pour attraper Monstrop qui prend un premier bump et qui va devoir flash out. 3 morts dans les rangs des PCS et Akroma qui enchaîne les bons plans. Viking est mort, mais c'est une mort rentable. Ouais, après ça veut tout de même dire qu'ils ne peuvent pas démarrer le baron. Manque de smite. Il n'y a pas à prendre de risque, de toute façon on ne prend aucun risque pour l'instant dans cette partie. Ok, petit stack pour Shoto, on va pas se plaindre. Ah par contre, oui, attends que je peux traverser ce mur, mais les mouvements sont bons. Heureusement. RAS. Heureusement parce que cette Senna n'a pas de flash. Hein. Ouais, ouais, mais... Ah, si elle prenait un CC, c'était terminé. Avec eux, Yumu plus Speed Footwork, il était confiant. Ouais, ouais, ça suffit. Bien joué. Bon. Eh ben on va voir quel choix vont faire Akroma, mais visiblement, ça va être celui de la Soul. Petite Soul Extech. On va revoir le move topside. Ok, Biobio qui rentre directement. Et il a une entrée sur un move possible, il en profite. Vraiment, la stopwatch, magnifique de la part de Zangstil. Parce qu'il dodge en même temps le grab de Q et il empêche le Yasuo d'avoir... potentiel escape entre très grandes guillemets, parce que dans tous les cas l'ulti je pense qu'il aurait été létal même si on aurait eu le temps de régène un peu, mais ça fait du coup un Medjay 18 stack parce qu'il avait acheté Medjay avant ce move. Effectivement il court vite son speed, mais ça fait tout de même genre le stuff Archange Zonia, deux items défensifs, Medjay pour les dégâts réel. Voilà. Ça me rappelle la grande époque de Anivia Warmog Medjay. Quoi? T'as pas connu ça? Non, 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 cette époque-là, j'étais pas là apparemment. Bien content de l'avoir évité. Après, moi j'ai connu l'époque de Echo Victor Tank Top avec Medjay. C'est vrai. Il était également une aberration. C'est vrai, c'était l'époque où il y avait énormément de tanks. Enfin, toujours, c'était la méta tank. Bah après, quand je vois maintenant Azir pouvoir jouer avec des items tank, à tout moment ça repart. Hein. Bon, du coup, une âme extac récupérée. Michigou et Zangstil sont très très contents. Je suis impatient de voir les dégâts d'une flèche Varus. 3 items et demi. Amextech. Oh, pour l'instant, c'est Avagnel qui va prendre un peu de dégâts. Il va immédiatement go in là-dedans. Monstre en difficulté. Flash in de la part de Théoris. Non, ce n'était qu'un dash in. Oh, mais on a les dégâts qui sont colosso. Et PCS se fait ratatiner. Ah, ah, il fallait tenter. Il fallait tenter pour PCS. Il fallait tenter ce genre de cash. De toute façon, perdu pour perdu, ça se solde par un clean ace et ce triple kill en faveur de Michigou. Et j'ai l'impression que ça y est, hein, officiellement la messe est dite. On va quand même passer par la case Baron Nashor. On peut pas end la game tout de suite, mais le cœur y est, hein, pour Akroma. Ouais, les waves sont encore trop loin pour pouvoir terminer. Ça va être T2 mid plus Baron Nashor. Et on est sur un avantage de 11 000 gold d'avance. Bon, pour l'instant, l'UMP, cette partie, il va du côté d'Abagnale, hein, pour moi. Et les mouvements sur la carte sont bons. Encore une fois, c'est lui qui va face check. Il sait immédiatement qu'il peut engage, qu'il n'a pas à avoir peur de cette situation, qu'il est backup. Et au bon endroit, au bon moment. Et là, c'est vraiment les resets qui sont obtenus en boucle. T'entends ouais. Juste le bruit de l'épée à Aatrox qui vient nous détruire les oreilles. Et on va jouer très très vite ce baron. Même si la vision a déjà été posée par Q, ils sont au courant, mais est-ce que ça leur permet d'arrêter quoi que ce soit? On va voir. On va déployer le siège tranquillement pour Akroma. Alors attention parce que la vision a pas été proprement récupérée, il y a deux TP en face. Mais c'est vrai que le lead économique, est-ce que tu veux vraiment TP dans le dos d'Akroma là? Ok, tentative de shockwave. Oh, Zangstil qui était un peu trop loin. Et Metroflox va juste tomber avant même de pouvoir cette quoi que ce soit. C'est bien, ils tentent des choses, ils tentent d'être créatifs les PCS et c'est ce qu'il faut faire quand on est autant derrière. Ça, on peut pas.
On peut pas le. Oh, il est superbe. Oh, il est superbe ce setup d'Abagnel. Et le combo qui se met extrêmement facilement en place pour Akroma. Très impressionnant. On push mid et bot et on va pouvoir venir porter le coup de grâce et aller chercher une troisième victoire à Akroma. Peut-être dans une nouvelle dynamique. Et du coup, une petite victoire, 3-6-1 pour démarrer ces matchs retour. 25-3. Bon. Le Snowball Bot a complètement plié la game. Ça s'est complètement joué de ce côté-là. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Bon. Pas grand chose à ajouter. Gros travail de Viking autour de cette botlane aussi qui a vraiment largement contribué à ce que ça se mette en place. Akroma donc qui s'impose. On va en reparler un petit peu sur l'analyse desk après une petite pause. On vous dit à tout de suite.